Bonjour, donc aujourd'hui on va faire en 30 points l'entrée, la poire de terre, premier, deuxième point, avec le rayfort ici. Alors on voit bien que le rayfort pousse, une grande feuille ici. Et la poire de terre là-bas qui se développe beaucoup. Bon, là j'ai planté des graines d'haricots, mais on sait jamais, il y a à peu près 3-4 jours. Mis de la paille, là, avec comme un petit champ de patates. Et aussi des patates que j'ai plantées qui devraient pousser dans les semaines à venir. Donc, troisième point, la serre à tomates. Alors on va voir en une minute très rapidement qu'il y a eu du mildiou, des fleurs qui sèchent à cause du mildiou. Mais il n'y a pas que du mildiou dans cette serre à tomates. Donc là j'ai un géranium. J'ai essayé de planter des choses comme des capucines qui poussent bien. Une géante, des patates, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu du mildiou, des patates qui poussent, donc on voit les ravages du mildiou ici, les aubergines qui poussent quand même assez bien, deux aubergines, ravages du mildiou, du lin bleu, quelques essais de poivrons. Une betterave ici et là-bas aussi il y en avait une, mais là le poivron c'est pas terrible. Le poivron encore là, il y a beaucoup de poivron qui a été planté mais qui pousse mal. Des tagettes grandes, capucines, des tomates mangées, mildiou et limaces ont fait un sort aux tomates. Donc après la serre à tomates, on a, on va se marquer là. Donc patates, serre à tomates. Serre à tomates, patates. Donc les patates, il y en a vraiment beaucoup. Comme celle-ci qui pousse très bien. On arrive à l'échelle. L'échelle en blanche, celle-ci surtout. Et toujours les patates. Ce curcubitacé avec ces petites spirales qui s'accrochent. Qui est sûrement... je ne sais pas ce que c'est exactement. Le cerfeuil, la blette, la patate douce, un plant de tomate qui est mangé par le mildiou, un deuxième ici, la tagette, la grande tagette ici. On arrive à faire ce côté d'abord. Donc la zone 2 avec des pommes de terre toujours. Une drôle de pomme de terre. Je ne sais pas trop ce que c'est en fait comme plante qui va fleurir.
de l'autre côté. Des patates qui commencent à finir. Un grand curcubitacé. On va appeler ça curcubitacé parce que je ne sais pas les différencier pour l'instant. Cette année, je verrai. Une patate qui commence vers la fin, avec du mildiou. Des haricots mangent tout. La grande fleur jaune, ça c'est la zone 3 déjà. Les patates, du maïs, curcubitacé qui prend bien. Cette fois, non, bah on voit les fleurs, mais il n'y a pas de cornichons ni de concombre en perspective. Donc là, notre pauvre petit artichaut planté en mars qui végète avec sa fourmilière, son mildiou, je ne sais trop quoi, les betteraves qui restent au frais pour l'instant, la poire melon, il reste que 4 minutes du film déjà et j'ai fait que l'entrée. Donc on revient sur nos pas pour finir l'entrée avec l'iris ancien qui va faire des graines, qui est une plante sur place, le groseillier, les mille pertuis. On arrive à l'abreuvoir, la plante qui a été décimée, la pièce du pape, une aubépine près de l'abreuvoir. Noble lilas que j'essaye de faire prendre. Hop. Un noisetier bonsaï ici. Le deuxième artichaut qui se porte mieux. Et on revient à la sératolite. En gros, voilà ce que je peux montrer aujourd'hui, toute l'entrée avec ce couloir de bambou. Ce n'est que l'entrée, à peu près 100 mètres carrés peut-être. Moins. Donc là il y a 10 mètres sur 30 mètres, ainsi que 5 mètres sur 20 mètres, 100 mètres carrés l'entrée. On verra la suite. Là on a le rosier cœur de roi de cœur qui fait plus de fleurs mais qui se porte bien. Un peu ravagé là quand même, quelques pouces, des trèfles. On avance un petit peu, on finit avec la butte de la bergerie, tiens, avec ce plan de patates qui se termine. C'est très difficile de voir l'écran de la caméra parce qu'il fait soleil. Donc là, dans quelques jours, quand ce sera bien le jour, je vais chercher dans la terre les patates. Et tout le reste, c'est-à-dire là, une grande plante locale géante qui pousse. Camomille, prunier numéro 3. J'en ai 3 dans le jardin du bas. Agastache. Petit pois, verveine, véritable géranium, je pense que ça c'est du quinoa, je suis pas sûr. Et terminer avec un escarpment. La mélisse. Thank you.
sur les germinations. Donc j'ai tout préparé ça il y a quelques jours. Donc j'ai pas grand chose. Ici on a quelque chose. Donc ça pousse. C'est quoi? C'était d'anciennes semences ça que j'ai mis. Je pense que c'est une des fleurs. Donc j'ai retrouvé un autre vélo que celui-ci, qui est beaucoup mieux pour aller en ville. Là, dernier plan sur la route. Au revoir et on continuera la visite.